Une chose est sûre, c'est Max Galactica est innocenté et qu'il ne pourra plus faire sa profession de magicien, il se reconvertira en laitier. Bonjour à tous, je suis Alice, aujourd'hui on se retrouve pour la partie de l'épisode 3, le Félix sur la télé, c'est toi et aussi soir. Oh, ça a duré trop longtemps! Je veux la suite, je veux la fin tout de suite. Ok, je sais tout. Là, je peux te dire exactement ce qui s'est passé. Ah ouais? Quelle preuve? Ouais, alors là, j'ai une super réponse qui va étonner mais tout le monde. À la question, pourquoi il a tué? Ah, je peux te dire que cette question, à la réponse que j'ai trouvée, mais... Ah, elle va... Ah, c'est un taunt. Je vais taunter tout le monde quand je vais dire ça. Acrobatage de nouveau. Pas mal. Ah oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Ah oui, c'est vrai, je suis un incontournable connard. Eh bien non. Parce que je n'ai pas envie. C'est tout con. Et quelque chose que j'apprécie vraiment chez moi, c'est quand on m'interrompt, quand il y a des bruits de porte qui claquent. C'est génial. Oui, donc je disais, pas besoin de contre-interroger, parce que je savais tout. Vas-y, je t'écoute, le vieux. Ah, tu vois, la réponse est super facile. La bonne réponse était... Pas le monde du monde! Eh ouais! Ah, vous le saviez pas, hein? Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a, Maya? J'ai pas besoin de réfléchir, ça. C'est vrai, pour une fois que j'ai pas besoin de réfléchir, que je peux paraître idiot, autant le faire. Parce qu'Acro n'avait aucune raison, oui. Et pourquoi il n'avait aucune raison de vouloir le tuer? Alors, simplement par. Ouais, attention, 1, 2, 3, wouhou! Énorme! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a un problème? Non. Alors, il y a une erreur. Niger. Alors, c'est pas trompé, mais il y a une légère erreur. Voilà. Parce que ce n'était pas lui. Eh ouais. Eh ouais, ouais. Vous l'avez pas vu venir.
Ouah, comment il demande à l'huissier de tuer des gens? Pas du tout. Tu vois, je me discrédite. Ouais. Alors, tu vas voir, c'est des cons. Mais ça va faire rire tout le monde. Ouais. Ouais, c'est un peu con, en fait, en le disant. Mais dans les faits, voilà. Ah, a priori, j'ai raison, il ne dit rien. Ouais, je suis pas d'accord. Et ouais, bah oui, pour le coup, oui. Tu sais, ça peut s'arranger. L'épreuve. L'épreuve. Oui, alors j'ai une preuve. Mais je veux que vous la preniez bien. Ah, tiens, d'ailleurs, je regardais ça. Tâche de sang légèrement poivrée. Oui, je m'en serais douté qu'elle était poivrée. Voilà, je vous ai tous rire. Voilà, une petite note. Il ne dit rien, il est... C'est le bout de papier, exactement. Voilà, oh, attention, qui ne sait pas ce qu'est une queue de pie. Ah, c'est ironique. Oui. Alors, en fait, j'ai mis du temps à comprendre, mais... ouais, en quelque sorte. Mais pas dans celle de Loïc. Voilà. Voilà. Non. Pour Monique. C'est pas la bonne musique. Je veux la vraie musique qui déchire. C'est moi une petite théorie, c'est la vérité. Oui, elle est... On peut dire que Monique est stupide. Et c'est ce qui la rend innocente et pure et tout ce que vous voulez. Il a vu le mot. Il a lu le mot. Exactement. Elle vit toujours dans son petit monde à planer en train de fumer je sais pas quoi, de la poudre de fée. Eh oui, il se serait tué le pauvre. Voilà. Oh putain, il y en a au moins un qui suit. Donc c'est une erreur, c'est un homicide volontaire, mais pas volontaire. Moi je m'en fous de Monique, personnellement. Je suis sûr qu'elle s'en fout. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, drôle. Ben oui. Et là, la question est... Ce qui s'est produit... Exactement. Ça y est, ça rentre dans ta tête. Pas trop tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 6 mois, je vais vous l'expliquer. En un mot, en deux mots, petite référence à comprendre qui pourra. Exactement, vous savez, comme le juge le sait, j'aime déterrer des affaires qui remontent à plus de 10 ans, voire 15 ans. Ah, j'aime ça, hein. J'ai un sens de la justice. Ah bah tu vas voir. C'est ironique aussi. Alors, c'est d'une ironie incroyable. Vous allez tous vous fondre la gueule. Hein? Apprends ça!
Oui, je sais, ça peut paraître con. Mais disons que c'est pas une plaisanterie, voilà. Mais à moitié. Bah, voilà. En fait, elle arrive, elle essaye de soulever le coffre, et là, boum, elle surprend un truc. Bah oui, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire. Qui a-t-elle tué? Ce personnage. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et oui, je pense que c'était plus un accident, personnellement. Oui, c'est vrai. Mais j'ai une preuve. Attention. Et j'ai le téléphone qui sonne, ça casse tout. Et un téléphone qui dérange, hein. Donc, il ne pourra pas comment cela. Comment cela? Oui, je m'en souviens. Ça faisait 5 minutes que j'étais parti. non. C'est bien Pulmus que cela, évidemment. Je t'emmerde. Qui dit qu'elle ne l'a pas fait? Elle ne l'a pas incité le lion à attaquer un humain. Mais le lion a mordu Bat. Parce que c'est à cause d'elle. Parce que c'est ça. On est tous d'accord. N'est-ce pas? Voyez-vous, n'est-ce pas? Attends, j'arrive pas à faire un moyen. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ça y est, tu comprends. Et qui lui a donné? Vas-y, c'est Monique. Monique est une salope! C'est officiel! Il n'y a pas que du sang, il y a... du poivre. Du poivre. Et du poivre. Du poivre, du poivre, du poivre, du poivre, du poivre. Du poivre, vous êtes sûr? Oui, c'est du poivre. Exactement. Elle est M. Machiavélique. Vous en restez tous bouche bée. Monique est dans la salle. Elle est où? Salut, petit oiseau. Je t'ai pas vu depuis un moment. Qu'y a-t-il? Ah. Personne n'a compris. Ah, ça y est, commence à comprendre. Il commence à comprendre. Comment? Avec un cul, effectivement. Il voulait juste éternuer. C'est con la vie. La vie est une pute. Ne donnez jamais de poivre à votre animal de compagnie. Il peut vous mordre. Et ouais! Tu es une imbécile. C'est toi l'imbécile d'abord. Toi-même! D'abord. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Van Karma. Je. Pour que. Oui. Oui. Développe! Ah, j'y crois! Ah, j'y crois tellement! Ah, j'y crois tellement! Réflexion intérieure. Ridicule! Est-ce que Monique est en train de dire c'était un accident? Que je lui pète sa gueule? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ah, c'était... D'accord. Ah, merci. Mais j'ai raison, ça veut dire.
Ah ouais? Pourquoi? J'aime pas ça. Oui. Oui. Ah. Et quelle est-elle? Ah. Ah. C'est une bonne question que je vais m'empresser de répondre. Eh bien, si tel que je le pense, le buste a été remonté. Et mon jeu vient de crasher, c'était génial. Donc j'ai dû tout refaire jusqu'à ce moment-là. Je pense que sa loge a déjà été midée, donc j'attends de voir. J'attends de voir. J'attends de voir. Oui, tu es une salaud. Je le savais. Bien. Exactement, ça retourne en carré. Mais on peut bien passer le bus. Allez, cherche avec moi. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mais qui a dit ça? Excusez-moi. Ah, c'est elle qui l'a dit. Elle vient de me sauver la vie. Eh ouais, pourquoi faire? Je laisse la musique! J'ai des arguments convaincants. C'est un superbe discours. Merci beaucoup. Je pense savoir techniquement. Techniquement. Même si j'ai aucune... Quelque part... Dans cette salle! Que personne se fout de ma gueule. Je pense que il a... La preuve sur lui. Le banc du témoin, nom de Dieu. Oh, on n'a jamais vu le bas du corps. Comment cela? N'est-ce pas?
C'était bien trouvé. Mais il est temps de retirer ta couverture. Je suis trop fort. Tu as ébahi tout le monde des baillis. Et tu as perdu pour la deuxième fois de ta vie. Incroyable. Tu peux frapper du poing autant que tu veux. Comme ton père qui se fracassait la tête. Bien. Ah. 2. Pardon ? Ne mets pas dans le même bordel ! Enfin, dans le même panier. La perquisition. Exactement. La cape, tu la brouilles. Bon, on va se looter. Oui, mais conne, Monique. C'est un peu con. Tu peux le cacher, s'il te plaît. Enfin, tu... Arrête de parler dans le vide, d'ailleurs. C'est con, la vie. Je veux pas qu'on me mette dans le même panier. Je l'aime pas. Enfin, non, c'est plutôt elle qui m'aime pas. Et après, moi, j'ai suivi, je l'ai pas aimé. Non, tu as encore perdu. Bah parce que t'es débile. Merci beaucoup. Bien. Oui, je m'en suis douté. Ah oh. Parlons. Comment cela? Oh putain, j'avais cru qu'il avait les yeux retournés. Mais il pleure, c'est bon. Oh. Comment cela, pas encore? Peux-tu rendre ton verdict? Non, tu t'es encore fait avoir. Je t'ai... Voilà, merci. Rajoute-le encore une fois. Vas-y, s'il te plaît. Youhou! Mon Dieu, qu'il est moche de l'eau. Et n'oubliez pas les enfants. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'une vérité! Il est libre, c'est fabuleux! Arrête de rire, s'il te plaît. Bah, il y a un meurtre qui a été... Enfin, deux meurtres qui ont été commis. Bon. Ah, ça y est, le chial. Je précise cette animation. Tu m'étonnes. Oui. Souffre. Meurs. Non. Oh puis merde. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit quoi déjà? Ah oui. Ah oui, c'est vrai.
Non, je ne le pense pas. Oui. Pardon? Excuse-moi, tu sais utiliser un mot pareil? Putain, tu remontes à mon estime. Ah, son frère. Oui, c'est sûr. Quoi? Oh non, pas une idée de merde. C'est une idée de merde, tu t'en rends compte? Oh putain! Administrez-lui un sédatif. Qu'est-ce qu'il a frisé? Pardon? Ils s'en contrebalancent les royalement les couilles, Max. Quelle décision? Ah oui, ça va, tu l'as dit hier. Pardon. Oh, c'est barré qui recommence. Eh bien. Hein, n'est-ce pas? Ah, la question. Faites-vous un câlin, puis que les problèmes soient réglés et que je vous vois plus. Ok, ça marche. Ok, j'oublie cette idée tout de suite. Mais genre tout de suite. Mais genre maintenant. J'espère que vous êtes bien tapé les 22 même deux lettres. À qui parles-tu, détective? Mais qui parle? Oh! Un aéroport! Oh mon Dieu! Oh le salaud, il est vivant, je le savais. Putain, ce climax de fou. Ce twist incroyable. J'ai fini l'épisode 3! Je suis content! Enfin le dernier procès. Ah bah un peu que je sauvegarde. Et c'est tu sais quoi, c'est dire, parce qu'il est sûr. Putain, je m'en serais douté. Merde, je veux pas avoir Francisca Mancarma en artwork. Même si... Ah bon, d'accord, j'avoue que c'est pas mal. Alors, nous avons donc l'héros principal de l'affaire A avec l'accusé, l'héroïne principale avec l'accusé, et l'accusé avec... Pourquoi Francisca est-elle été mise devant? Je pense personnellement que le personnage qui sera mis en avant dans le dernier épisode, ce sera Benjamin Hunter. Et là, on aura la troupe complète. Bien, donc, nous allons nous laisser. Si vous n'avez pas, comme d'habitude, des commentaires, des pouces verts, de vous abonner à la chaîne, de vous suivre sur Twitter, en Basreus 1. Et très bientôt, l'épisode 4, le dernier épisode de Phoenix Wright, Ace Attorney Justice for All. Bon jeu, et à la prochaine.